Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 4 du poste de combat de la saison 7. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réussir le défi qui est de tirer sur des feux d'artifice. Enfin, faut pas tirer dessus, mais il faut les allumer quoi, tout simplement. Alors, je vais vous montrer tous les emplacements et je vais vous expliquer comment réaliser ce défi facilement et rapidement. Donc là, je vous affiche une image avec tous les emplacements des feux d'artifice. Donc il faut savoir que j'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo parce que j'étais à plusieurs emplacements et je ne trouvais pas de feux d'artifice. Une seule fois, j'en ai trouvé un, mais après j'ai été voir les autres emplacements, ils n'y étaient pas. Donc en fait, ce que j'en ai compris, c'est que les feux d'artifice apparaissent à ces endroits-là, mais aléatoirement. C'est possible que parfois ils soient là, parfois ils n'y soient pas. Donc ce que je vous conseille pour faciliter les choses, c'est de prendre un avion et de survoler tous les points que vous voyez. Donc vous allez chercher un avion, vous survolez tous les points, et dès que vous voyez une sorte de fusée, ben vous descendez, vous allez vérifier si c'en est une, et si c'en est une, ben vous l'activez. Donc moi c'est ce que je vais faire, donc je vais aller chercher un avion à Frosty Flight, et deuxième petite astuce qui pourrait vous être utile si vous préférez, moi je le préfère pas parce qu'après ben, la partie elle dure assez longtemps, ça dure 20 à 30 minutes, donc je préfère pas le faire avec cette astuce, c'est tout simplement de lancer en bataille gourmande. Comme ça, bah, vous pouvez respawn plusieurs fois si jamais vous vous faites tuer. Et vous pouvez survoler la map. Donc la moitié de la map sera alliée. Donc voilà, c'est une autre possibilité aussi si vous voulez avoir un petit peu plus facile. Donc moi, je vais le faire en mode solo. Comme ça, dès que j'ai trouvé mes deux dernières fusées, enfin deux derniers feux d'artifice, je vais pouvoir me suicider. Et bah, faire le montage de cette petite vidéo. Donc c'est parti, je vais chercher un avion en espérant que je ne vais pas me faire tuer. Donc apparemment, il n'y a personne. Ouais, apparemment, il n'y a personne. Donc ça va être assez facile de prendre l'avion. Nickel, nice. Ah, regardez. Ici, j'en ai trouvé une. Donc, elle est tout doudoum en bas de Snoopy Show. Donc, regardez, il y en a juste une là. Donc, vous n'avez pas besoin de tirer dessus. Hein. Vous avez juste à interagir avec. Hop, vous appuyez sur carré. La fusée va décoller. Dans quelques instants. Pchoum, et voilà, le petit feu d'artifice se fait. Donc là, j'en ai trouvé un. Le premier de remplacement que je fais. Donc, nice, j'ai vraiment eu de la chance. Donc, maintenant, je vais chercher un autre emplacement. Et je vais quand même survoler 2-3 emplacements pour voir si j'en trouve pas d'autres. Si jamais j'ai déjà fini mon défi, mais comme ça, bah, je vous montrerai d'autres emplacements au cas où. Donc la première fusée que j'ai trouvée, elle se trouvait ici, juste au bord. Donc là, juste où je tire. Il y avait la première fusée que feu d'artifice que j'avais trouvé, c'était juste là. Donc apparemment, là, il n'y est pas. Donc on va aller voir un autre emplacement. Ok, donc là, il y a un autre emplacement, regardez. Je suis en dessous de Huntel Hills. Et il y a un autre emplacement, justement, juste ici. Donc aussi, c'est possible que les personnes aient déjà allumé le feu d'artifice, hein, donc à votre place. Donc si moi, par exemple, j'allume le feu d'artifice et que vous venez après, le feu d'artifice ne sera plus là, c'est logique, tout bêtement. Donc, poum! Donc là, je vais quand même survoler un peu la map pour voir si je trouve des autres emplacements. Et pour vous montrer l'emplacement exact, hein, parce que avec la map que je vous ai montré, c'est pas très très précis. Donc si j'en trouve d'autres, je vais pouvoir vous montrer les emplacements exacts. Donc voilà. J'ai trouvé un autre emplacement qui est juste devant le motel, donc juste ici. Hop, donc là je le fais, mais je devrais pas parce que s'il y a un autre joueur qui le cherche, ben je l'empêche de faire son feu d'artifice pour rien du tout parce que moi je les ai déjà finis. Mais voilà, près du motel il y en avait un, donc maintenant je vais aller chercher encore ailleurs pour voir si j'en trouve pas d'autres. Donc le motel il se trouve à côté de Lazy Links, donc juste ici. Hein. Ok, donc là juste en dessous de moi il y a une autre fusée, donc c'est près du bloc. Voilà, c'est juste à côté du bloc. Donc j'ai pas le temps de me déposer parce qu'il y a la zone qui arrive. Donc je veux pas prendre des dégâts de chute, pas de dégâts de zone, donc j'avance. Et je vais aller voir un autre emplacement. Donc là je serais pas allé voir l'emplacement 7, 8, 11, 12, 13. Ni... Ah par contre je vais pouvoir aller voir le 5 et le 10. Donc voilà, je vais pouvoir encore faire deux emplacements. Mais c'est tout. Après les autres, ben c'est à vous de vérifier hein. Mais de toute façon vous avez vu, il y a quand même pas mal de spawns. C'est un peu aléatoire, mais je pense que si vous faites tous les spawns en avion, comme je vous ai montré, je pense que ce serait assez facile pour réaliser ce défi. Ok, donc apparemment, je ne trouve rien du tout à l'emplacement 10 et j'ai rien trouvé. Ah si,
Un ancienne pomme. Et j'ai rien trouvé à l'emplacement 5 non plus. Donc voilà. Maintenant, je vais tout simplement aller me suicider. Et je vais vous montrer que ça a bien validé mon petit défi. Voilà ma récompense de palier. Et maintenant, je vais vérifier que mon défi a bien été validé. Mais normalement, c'est sûr et certain. Au moins qu'il y aurait eu un bug. Si, j'ai débloqué plein de trucs, moi. Attends, objet suivant. Objet suivant. Ok, nice. Nice, nice job. Alors, voyons voir. Défi semaine 4. Donc tirer des feux d'artifice validés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mike et ciao. Peace.